Bruno, je t'avais dit d'arrêter de fumer. OK. Bonne fin de journée, tout le monde. Fait que c'est fini. On se reverra plus. Mais là, voyons, Omar. Tu nous dois encore ton fameux spaghetti au homard. C'est vrai! Grand chef au homard! Cuistot, Omar! J'en ai jamais parlé, mon spaghetti au homard. Oh, pff, c'est ça! Bon, OK, ben dans deux semaines, je vous invite toutes chez nous pour l'Halloween. Menu surprise. Oh, cool! Est-ce qu'il faut se déguiser? Come on! La société, c'est déjà un vrai cirque. Si en plus, il fallait qu'on se déguise. OK, Gracien, tu te déguiseras toi-même, ça va être correct. Au revoir, Monsieur Langelier. Investigation Premium, on est bien chez César Langelier. Qui demande? Investigation Premium. Ah, enfin! Entrez, je vais aller faire du café. Bon, les gars, je suis vraiment content que vous soyez là parce que ça va vraiment pas bien. Je vous dresse le portrait. J'ai plus rien à manger. Ça va faire 3 jours que j'ai pas dormi. C'est rendu que j'ai besoin d'une canne pour me déplacer dans ma propre maison. Puis comme si c'était passé, on vient de m'annoncer que les cours sont finis. J'ai plus de job. Dites-leur, les filles. Monsieur Langelier, je suis désolé d'apprendre ça. C'est vraiment pas évident pour vous et les filles. Est-ce que vous avez pensé demander de l'aide psychologique? Non, vous comprenez rien. On s'excuse. On vous écoute. Pour les besoins de la cause, disons que Casper s'est emparé de ma maison. Qu'est-ce que t'en penses? All in. Ouais. Monsieur Langelier! Hein? Investigation Premium, je présume. Je suis vraiment content que vous soyez là parce que ça va vraiment pas bien. Monsieur Langelier, on va vous le trouver, votre Casper. Hey, les filles, vous avez entendu ça? Thank you.
Monsieur Langelier? Monsieur Langelier? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas compliqué. Comme toutes les nuits, il m'a encore poussé en bas de mon lit. Ça vous arrive à toutes les nuits? Oui, je finis toujours la nuit par terre. Écoutez, monsieur Langelier, que diriez-vous que Presley et moi... On dorme avec vous. Comme ça, le fantôme pourra pas s'en prendre à vous. Je serais curieux de voir. C'était vraiment la plus belle nuit de sommeil de toute ma vie. Investigation premium, que diriez-vous de vous sucrer le bec? Pas vraiment, là. Vous pouvez laisser vos glaces là, on va les manger plus tard. Bon, je vais aller droit au but. Cette merveilleuse nuit de sommeil m'a ouvert les yeux. Vous m'apportez confort et sécurité. Que diriez-vous de répéter l'expérience pour le restant de ma vie? C'est pas que c'est pas tentant, M. Langelier, mais ça sera pas nécessaire. On travaille sur notre plan d'intervention. Oui, je serais curieux de voir. Tout est prêt. C'est la poulette grise quand... Presley, écoute celle-là. Savais-tu que les chamans d'autrefois chantaient et dansaient pour entrer dans une transe, ce qui leur permettait d'avoir une conversation avec les fantômes? Presley? Attends, il se passe de quoi? Oh my God! Oh my God! Ok. Juste pour clarifier. Rémi Carpentier, c'est ça? Donc, il y a environ 15 ans, vous dites que César Langelier vous a kidnappé, vous et les jumeaux Lamontagne qui sont décédés depuis, et vous a maltraité pendant des années? Non! Castor! Castor Langelier. OK, Castor Langelier. Puis là, dernièrement, il aurait commencé à perdre la mémoire, puis c'est à ce moment-là que vous avez réussi à vous libérer de cette espèce de torture. Et vous avez profité de la faiblesse grandissante de M. Langelier pour vous venger. Exact. Et tout ce que vous faites, c'est qu'à toutes les nuits, et j'insiste, à toutes les nuits, vous sortez du grenier, vous vous rendez dans la chambre de M. Langelier et vous le poussez en bas de son lit. C'est bien ça? Exact! C'est tout ce qu'il mérite! M. Langelier, est-ce que tout ça est vrai? Malheureusement, je pense que oui. Tout nous porte à croire que vous êtes un psychopathe. César Langelier, crois que sa maison est hantée. Rémi